Mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux en constatant que la majorité des membres est présente. J'ai reçu notre collègue Séverine de Compreignac et a un petit rhume, mais elle a préféré effectivement ne pas nous en faire profiter. Et elle a donné son pouvoir à Iris Berthomier. Je vous propose de voter la désignation du secrétaire de séance, Madame de Vara, qui sera assistée de Monsieur Riwal. L'ordre du jour de la présente séance comporte 14 points. Et mes chers collègues, cher Charles Flaubert, avant de commencer, je vous propose de voter l'extrait des délibérations de la séance du conseil d'arrondissement qui s'est réunie pour la dernière fois en 2023, le mardi 28 novembre. Donc je vous propose de voter, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Donc nous démarrons nos travaux par le rapport de Madame de Vara sur les 6 conseils de quartier du 6e arrondissement à l'issue du tirage au sort qui est intervenu en 2023 et des choix des associations qui ont été retenus en liaison avec les présidents des conseils de quartier, dont je rappelle qu'ils seront maintenus à la présidence de leur conseil de quartier, les élus étant reconduits dans les différents conseils de quartier où ils avaient l'habitude de siéger. C'est donc le changement dans la continuité, pour utiliser une formule connue de certains ou de certaines d'entre nous. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, comme vous le savez, dans le 6e arrondissement, le 6e arrondissement est composé de 6 conseils de quartier que je vais renommer: Notre-Dame-des-Champs, Rennes, Saint-Germain-des-Prés, Ondéon, Monet et Saint-Placide. Dans le cadre du renouvellement de ces 6 conseils de quartier et selon l'article 4 du règlement intérieur des conseils de quartier, j'ai l'honneur de vous inviter à voter la désignation des membres des premiers collèges, qui est celui des élus, et du deuxième collège, celui des représentants des associations. La composition de chacun des 6 conseils de quartier vous a été communiquée par un document mis sur vos tables, donc vous avez accès à tous les noms. Comme vous le savez aussi, les 48 membres du troisième collège, c'est-à-dire celui des habitants, les 48 membres ont été désignés lors du tirage au sort qui s'est déroulé en public le lundi 13 novembre. Le premier collège est donc composé de 4 membres, dont 2 élus désignés par le conseil d'arrondissement en son sein sur proposition du maire du 6e arrondissement, donc soumis à votre vote, chers collègues, ce soir. Le deuxième collège est aussi composé de 4 membres représentant les associations locales désignées aussi par le conseil d'arrondissement sur proposition du maire et donc aussi soumis à votre approbation ce soir. Je vous propose donc d'adopter la nouvelle composition de ces deux collèges des 6 conseils de quartier dont les réunions vont reprendre très prochainement. J'en profite pour remercier vivement tous les membres qui ont participé activement aux réunions et aux diverses activités et pour souhaiter la bienvenue aux arrivants. Je note d'ailleurs que les candidatures pour le Collège des habitants ont été nombreuses et en sensible augmentation. Et pour terminer, pour votre information, je vous signale que la plénière des conseils de quartier qui permettra à chaque conseil de quartier de présenter un bilan du travail et des actions réalisées ou en cours pendant les 3 premières années de la mandature aura lieu le 18 mars. Je vous signale aussi qu'un 6e info présentant la nouvelle composition des conseils de quartier sera distribué dans le courant du mois de mars. Voilà. Je vous remercie donc de bien vouloir voter, chers collègues, favorablement pour acter cette nouvelle composition qui est détaillée dans le document que vous avez reçu. Je vous remercie. Madame la maire adjointe, y a-t-il des questions ou des demandes particulières? Je pense que ça s'est fait dans la
dans la concertation la plus absolue. Donc, Madame Bervieux. J'ai une petite question sur les convocations. Est-ce que les habitants suppléants sont systématiquement convoqués ou est-ce qu'on leur envoie une convocation uniquement ? Oui, ils sont systématiquement. Et on les convie aussi systématiquement aux réunions également, aux plénières. Et la réunion plénière sera suivie d'ailleurs d'un SICA pour en quelque sorte renforcer l'attractivité éventuelle de la réunion. Et moi, je suis pas contre le fait qu'on continue d'ailleurs à inviter éventuellement les autres habitants qui n'ont pas été retenus, notamment au SICA. Non, mais je parle des SICA. Au SICA. Puisqu'ils étaient dans nos fichiers pour le SICA. Pour le SICA, je suis assez pour. Pour les conseils de quartier, c'est embêtant parce qu'ils peuvent venir dans le public. On ne peut pas formellement les convier parce que ça serait contraire au règlement intérieur. Mais sans ça, ils peuvent venir assister dans le public, aucun problème. Voilà, mes chers collègues. Donc, je vous propose alors, Madame la maire, qu'est-ce qu'il faut, mes chers collègues, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut un vote global ? Un vote global d'approbation de la composition des conseils. Très bien. Et je remercie Monsieur Comet et Monsieur Pasley qui ont présidé au tirage au sort des habitants. On a fait une commission préparatoire. Voilà. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie et donc bon vent à nos 6 conseillers de quartier pour les 3 prochaines années. Nous poursuivons nos travaux et je vais maintenant donner la parole à notre collègue Olivier Pasleck sur la DE 26. Vous allez nous expliquer ce que recouvre cette délibération. Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Donc, nous sommes appelés, mes chers collègues, à délibérer sur la question de la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité dans les 5e, 6e et toute petite partie du 7e arrondissement afin d'y mener une expérimentation du droit de préemption commerciale et concernant tout particulièrement les commerces culturels. Alors, comme vous le savez sans doute, en décembre dernier, le Conseil de Paris a approuvé le plan parisien pour le commerce et un programme d'action visant à sauvegarder la diversité de l'offre commerciale et artisanale parisienne, et notamment en ce qui concerne les commerces culturels. Ce plan repose sur un acteur principal qui s'appelait la CEMAEST et qui s'appelle désormais Paris Commerce. Également accompagné, si je puis dire, par sa filiale foncière, Paris Commerce, et pour laquelle le Conseil de Paris du 4 juillet dernier a approuvé, en partenariat avec la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, une recapitalisation. C'est cette dernière qui va permettre à la ville de Paris et à la foncière Paris Commerce de mener une politique forte d'acquisition de locaux commerciaux stratégiques pour la diversité commerciale, notamment par une procédure de préemption. Alors là, nous sommes concernés parce que la CEMAEST, qui a déjà pratiqué cette procédure de préemption, la CEMAEST va donc continuer ce qu'elle a déjà fait dans le cadre, vous savez, d'un programme qui s'appelait Vital Quartier 2, et elle va continuer dans des zones particulières qui sont dans le document que vous avez pu consulter, qui sont appelées des linéaires de protection de commerce culturel concernant dans le cadre du PLU. Parmi ces 25 linéaires qui ont été retenus dans le PLU, 5 sont localisés dans le 5e arrondissement et, là où nous sommes concernés, 10, parce que là il y a une petite erreur dans le document que je vais vous signaler, 10 nous concernent puisqu'il s'agit dans le 6e arrondissement,
Alors, il s'agit de rues ou de portions de rues. Hein. Donc, rue d'abord, rue de l'Odéon, rue Saint-Sulpice, rue Guénégo, rue Jacques Callot, Mazarine, rue de Seine, rue des Beaux-Arts, rue Visconti, rue Bonaparte et rue Monsieur le Prince. Et là, dans le document de la mairie de Paris, petite erreur, ils ont mis rue de Verneuil. Non, la rue de Verneuil, c'est pas dans le 6e arrondissement, c'est, comme vous le savez, dans le 7e. C'est pas grave. Ces rues, ces zones, vont faire l'objet donc d'une expérimentation de la préemption commerciale sur les fonds de commerce culturels. Et ceci donc sera fait en faveur de nos commerces culturels, librairies de livres contemporains, mais aussi livres anciens et autographes, antiquaires, galeristes, également magasins de vente de disques, etc. Donc, je vais terminer. Pardonnez-moi, j'étais un petit peu plus long que d'habitude. Allez, je vais tout de même vous donner quelques précisions juridiques pour qu'on comprenne ce qui va se passer. Alors, c'est donc ces zones dont je vous ai parlé vont donc faire partie de vont faire l'objet de cette pratique de préemption. Et cela est possible sur la base d'une loi qui est la loi du 5 août 2005, qui est la loi dite Dutreil, et qui permet en effet d'exercer un droit de préemption commerciale. Et là, ça veut dire quoi précisément? Je vais essayer d'être clair. C'est-à-dire d'acquérir des fonds artisanaux, ça nous concerne moins, mais surtout des fonds de commerce, mais également, et c'est ça la nouveauté, des droits au bail. Et c'est pour cela, si vous voulez, qu'on parle d'expérimentation. Donc, cette procédure va être mise en œuvre à titre donc provisoire, et un bilan au bout de trois ans sera tiré de cette expérimentation. Donc, pour conclure, je vous propose donc d'approuver la mise en place de ce périmètre que je vous ai précisé, de ce périmètre de sauvegarde, où pourra être exercée cette préemption en faveur de nos commerces culturels. Je vous remercie. Je vais vous donner la parole, mon cher monsieur Comet. Je voulais savoir, monsieur le maire, j'ai pas épluché comme vous la délibération. Est-ce que vous pensez que sur les cinémas, ça pourrait fonctionner? Non, c'est pas prévu pour les cinémas. C'est pas prévu pour les cinémas. Absolument. Si on avait pas un problème sur les cinémas. Non. D'accord. Bon. Non. Le cinéma, après, on a les autres. On a une action continue avec la mission cinéma qui est plutôt. Oui. Qui est très attentive. Et là, je voulais remercier Michel Gomez, qui est vraiment quelqu'un qui suit très, très bien ces problèmes-là, mais c'est important. Et puis, pour les théâtres, on a la loi de 51 qui protège les scènes de théâtre. C'est comme ça, d'ailleurs, que on en parlera tout à l'heure. Je vous dirai deux mots du Lucernaire, qui est lui aussi, qui a muté, mais qui a muté dans des conditions très favorables. Monsieur Gomez, je vous donne la parole, mon cher collègue. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Juste pour bien comprendre, vous avez cité la rue Monsieur le Prince. Dans la rue Monsieur le Prince, il y avait une librairie jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'Escale, qui a fermé, qui a été rachetée par la pizzeria d'à côté. Si demain matin, la pizzeria vendait ce local, est-ce qu'il serait encore considéré comme étant un local qui peut être préempté par la mairie? Tout à fait, justement, c'est le but de ce droit de préemption existe déjà. Mais là, il va être, vous avez vu, c'est très important, il va être ouvert non seulement donc à ce que j'ai dit, mais au droit au bail également. Mais ça, c'est tout à fait, c'était déjà dans la mission de la CMA Est, hein, elle pouvait faire ce que vous venez de dire. Un commerce culturel qui n'est plus culturel, et à ce moment-là, au moment de la vente, il y a ce droit de préemption que la Paris Commerce pourra exercer. On pourrait même imaginer, je le dis avec un peu d'humour, que si la pizzeria ferme définitivement, la ville préempte sur une surface plus grande, puisque en réalité c'est la pizzeria qui s'était. Mais ça sera à voir.
Je voulais en profiter pour vous annoncer une très bonne nouvelle, une autre très bonne nouvelle. Bon, et les bonnes nouvelles ne sont pas si nombreuses qu'on ne puisse en profiter. C'est qu'on a une nouvelle librairie généraliste qui va ouvrir à la périphérie du 6e arrondissement, c'est-à-dire à l'angle de la rue Michelet et le boulevard Saint-Michel. C'était une librairie très ancienne qui était plutôt consacrée à la fabrication de polycopiers, à la vente d'ouvrages de juridiques qui existaient depuis une quarantaine d'années. Il y a eu une cession et ce sont deux libraires, on y consacrera d'ailleurs un article dans les prochains mois, qui devraient rouvrir cette librairie, qui devraient ouvrir une librairie en généraliste à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Michelet, juste à l'angle, en généraliste, donc à la périphérie du 6e et du 5e arrondissement, mais ça peut après vivre avec la rue Michelet, avec le haut de la rue d'Assas, etc., etc. Voilà, affaire à suivre. Et il y aura apparemment un coin café, c'est-à-dire qu'on pourra également consommer sur place, consommer légèrement, bien évidemment, et ensuite acheter des livres. Donc, on vous propose peut-être de voter. Il faut voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. C'est une délibération dont on suivra, bien évidemment, les développements avec attention. Nous passons à la DAJ 3. Je donne la parole à Paul Maria. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. La délibération numéro 3 de ce soir vise à reconduire une tradition de la ville de Paris qui est la consultation juridique ouverte à tous les citoyens qu'il s'agisse de qui recherchent des conseils juridiques, qu'il s'agisse de conseils personnels, de droit privé ou de droit des affaires, ce qui est arrivé plus récemment dans l'histoire de la mairie. C'est une tradition qui date de 1977. Avec des rendez-vous qui ont évolué au cours du temps, comme je le disais, qui aujourd'hui embrassent une catégorie de consultation juridique plus vaste que par le passé. Et permettez-moi de rappeler quelques chiffres qui montrent le succès de ces consultations. En 2022, il y a plus de 8834 personnes qui ont pu bénéficier de ces conseils juridiques, principalement dans un droit spécialisé. Droit du logement, droit du travail, droit de la famille en tête. En 2023, il y a eu plus de 1728 permanences d'avocats. Alors je rappelle qu'une permanence, c'est une présence dans une mairie. On a une permanence dans la mairie du 6e arrondissement qui dure en général 3 heures et qui permet des consultations qui vont de 20 minutes à 30 minutes en moyenne. En 2023, donc, un engagement pour assurer 1728 permanences pour un montant de 296 750 euros. Pour 2024, l'Ordre des avocats au barreau de Paris s'engage sur une présence dans les mairies d'arrondissement similaire. Donc 1728 permanences gratuites sont annoncées sur l'ensemble des mairies d'arrondissement et on nous demande de nous prononcer sur la reconduction de cette enveloppe. Donc 296 750 euros attribuables aux mairies qui participent à ces opérations. Donc je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir voter la reconduction de ces budgets. Merci. Et merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, donc je vous propose. Les consultations ont lieu dans la salle des permanences, peut-être, en général ? Oui, en bas au rez-de-chaussée, hein, dans la cour, accessible aux handicapés, puisque nous sommes la mairie pilote en matière d'accessibilité. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. La délibération est adoptée et nous passons maintenant à la DASCO numéro 1. Ariel Bocan, je vous donne la parole. Oui, merci monsieur le maire. Donc chers collègues, la délibération suivante concerne les dotations complémentaires de fonctionnement, les subventions d'équipement et les subventions pour travaux des collèges publics parisiens. Nous sommes concernés dans le 6e arrondissement par deux subventions d'équipement. Pour le collège Jacques Prévert, la somme de 19 220 euros
qui correspond à du matériel informatique, des rideaux pour les salles de classe et des équipements vidéo pour les salles de classe. Et pour le Collège Montaigne, un montant de 34 500 euros. Également du matériel informatique pour racheter des casiers pour les élèves et également des rideaux dans les salles de classe. Je vous demande de bien vouloir voter cette subvention et je vous remercie. Pause de bien vouloir voter. Donc je pense qu'on peut aller directement au vote. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, la délibération est adoptée et nous passons maintenant à la DEV 6. Je donne la parole à notre collègue Claude Ribbe. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je dois rapporter sur un projet de dénomination de la promenade Rien n'est simple qui serait attribué à un espace vert qui est situé actuellement dans la promenade, l'allée de la promenade du séminaire Ollier. Alors rien n'est simple pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Jacques Sempé, c'est le titre d'un album, d'une bande dessinée. Bon, Jean-Jacques Sempé nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il était très, très attaché à Paris. Tout le monde le connaît à cause de la bande dessinée célébrissime, Le Petit Nicolas, qu'il a rédigé avec son complice Goscinny, et donc il a publié en 1962 cet album Rien n'est simple, qui sera suivi l'année suivante de Tout se complique. Alors moi j'ai quand même une difficulté, parce que si j'ai bien compris cette délibération, on nous demande de débaptiser l'allée du séminaire Ollier, qui est quand même le nom de cet espace vert depuis 1936. Donc je suis assez partagé, malgré toute la sympathie que j'ai pour Jean-Jacques Sempé. Je trouve par ailleurs que les promeneurs qui verront cette allée Rien n'est simple sans allusion directe à Jean-Jacques Sempé ne comprendront pas. C'est peut-être Rien n'est simple, se promener dans une allée à côté de la direction des finances publiques, Rien n'est simple, c'est un petit peu ambigu. Je vais vous rassurer, mon cher collègue, mais effectivement Rien n'est simple, vous l'avez compris. À Paris, dans le 6e arrondissement, un peu partout dans le monde actuel. Mais je vais vous rassurer. Voilà, alors moi, je... Mais je vais vous rassurer sur ce que vous... Sur la... Oui, absolument. Donc, je vous propose de voter favorablement, rien n'étant simple, en attendant la suite qui sera sûrement Tout se complique. Ouais. Donc, je voterai favorablement. Très bien, je vous remercie. Alors, effectivement, rien n'est simple. Mais avant d'arriver à cette délibération, rien n'a été simple entre les ayants droit de Sempé, de Jean-Jacques Sempé. Ça a été ça, le problème. Puisqu'au départ, on était plutôt sur une allée Jean-Jacques Sempé, mais les relations compliquées entre sa dernière compagne, et sa fille... Tout ceci teinté de relations liées au droit, si vous voulez, a fait que ça a été très difficile pour Laurence Patrice, la maire adjointe chargée de la mémoire et des anciens combattants, mais là c'est au titre de la mémoire, d'arriver à régler et à proposer une solution satisfaisante aux différentes parties. Donc on est arrivé à cette situation, et avec ce titre, vous voyez, « Allez, rien n'est simple », ça ne porte pas le nom de Sempé. C'est pour ça que, si vous voulez, au départ, il faut lire la délibération pour savoir que... Mais effectivement, c'était excessivement difficile d'arriver, pour la ville, pour la mairie de Paris, d'arriver à gérer cette chose. Alors ensuite, sur la localisation, soyez rassurés, puisqu'on ne débaptise pas. Là, c'est une certaine subtilité qui a été trouvée par la mairie de Paris au cours des dernières années pour permettre des hommages supplémentaires
puisque vous savez que souvent, la grande difficulté, c'est de trouver des lieux, surtout dans un arrondissement aussi ancien que le 6e arrondissement. C'est donc d'utiliser les espaces verts pour faire des hommages particuliers. C'est comme ça qu'au cours des dernières années, on a donné d'ailleurs, dans le jardin, dans l'esplanade Gaston-Monnerville, on a rendu hommage successivement à la sœur de Simone Veil, et de l'autre côté, l'autre allée, on a rendu hommage à une ancienne ministre de Jacques Chirac, qui était présidente de la Commission européenne, Nicole Fontaine. Voilà. Voilà. Ce sont donc des panneaux verts, puisque c'est pour ça que c'est d'ailleurs une délibération d'Ève, car si il y avait eu un changement de nom, c'était la direction de l'urbanisme qui était concernée. Donc l'allée du séminaire va rester topographiquement et sur la foncier existée. Vous aurez simplement un petit panneau vert qui va être ajouté. Et là, c'était encore plus compliqué, puisque sur l'allée du séminaire, si vous regardez le document, vous avez effectivement l'allée du séminaire, donc ça va être très exactement entre l'angle de l'hôtel des finances et ensuite, là, grosso modo, avant ou après la fontaine de la paix et des arts, qui est anciennement la fontaine du marché Saint-Germain, au suivre. Puisqu'elle était dans le marché Saint-Germain, elle était déplacée il y a quelques années dans l'allée du séminaire. C'est devenu la fontaine des paix et des arts. Et vous arrivez jusqu'à la butte, la deuxième partie de l'espace planté, où vous avez l'espace canin. Et là, c'est devenu la promenade de l'allée du séminaire Jean-Jacques Ollier. Et ça demeure. Mais c'est également une dénomination d'espace vert. Car vous pouvez aller vérifier avec une lampe électrique en sortant, c'est bien marqué, promenade de Jean-Jacques Ollier. Donc ça a été vraiment, je vous le confirme, mon cher collègue, rien n'est vraiment simple, y compris en dénomination de rue. Mais je pense qu'on peut voter globalement, car sinon on ferait le désespoir de Laurence Patrice et la guerre existant entre les dames ayant droit de Jean-Jacques Sempé risquerait de repartir. Mais je vous remercie d'avoir... Non, mais c'est très bien, Claude, d'avoir attiré l'attention, parce que c'était complexe, c'était très complexe. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, de voter cette délibération. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie pour Jean-Jacques Sempé et tous ceux et celles qui l'ont aimé et qui continueront à le suivre. Donc nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole maintenant respectivement à deux reprises à notre première adjointe Chantal Lambert-Burras. Merci Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'une délibération simple. Cette délibération, nous la retrouvons régulièrement. C'est une délibération qui propose de renouveler la convention d'objectifs avec la crèche Kangourou qui est située rue de Montparnasse. La crèche Kangourou, en fait, c'est 18 établissements dans tout Paris et ça représente 664 places au total, dont 60 dans le 6e. C'est une des plus importantes puisque la plus grosse, c'est une crèche de 80 places, mais 60, ce sont des crèches importantes. Donc le montant proposé est un montant de 4 353 euros, qui tient compte de l'augmentation de 6%, qui est un ajustement du coût de la place en crèche, mais également d'un ajustement spécifique. Alors sur la petite fiche, on dit la convention collective Alispa 83, et sur les autres documents, on parle d'une convention qui s'appelle Elifsa, je ne sais pas, mais ça tient compte des hausses de salaire. Donc ça permet, la ville de Paris prend en partie l'augmentation des salaires. Donc je vous propose de voter favorablement cette somme de 4 553 331 au profit de l'ensemble des établissements Kangourou. Merci ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas. Je suis persuadé que ça sera ensuite bien défendu au Conseil de Paris par notre collègue Céline Hervieux. Et je la remercie d'avance.
Je vous propose de voter maintenant. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie et je redonne la parole à Chantal Lambert-Burins. Maintenant qu'on a voté, je voulais juste dire qu'il y a quelque chose. Il y avait quelque chose qui m'inquiétait un petit peu, c'est dans l'annexe 4, le fonctionnement prévisionnel des établissements en 2024, et on se rend compte que le taux de fréquentation prévisionnel baisse énormément, je ne pense pas que ce soit le nombre d'enfants qui demandent à rentrer en crèche, et j'ai peur que ce soit également probablement des problèmes de personnel qui vont aussi toucher ces crèches-là. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Monsieur le maire, de me repasser la parole. Cette fois-ci, il s'agit d'Espérem, que nous connaissons bien, 83 rue de Sèvres. Il s'agit également de renouveler la convention d'objectifs. 114 places en tout dans Paris, donc c'est beaucoup bien inférieur, et 30 dans le 6e. Cette crèche que nous avons visitée d'ailleurs avec Céline Hervieux est une crèche qui est orientée de façon très, très sociale. Donc c'est important qu'on ait ce type d'établissement dans le 6e arrondissement, mais effectivement c'est pour aussi les habitants du 6e, mais il y a des habitants d'autres arrondissements, et puis il y a le foyer de femmes seules qui se trouve à la même adresse. Voilà, donc c'est une proposition d'objectif à hauteur de 843 714 euros, qui tient compte aussi de l'augmentation de 6% du coût moyen de la place. Voilà, donc je vous propose de voter favorablement cette délibération. Merci. Intervention, je vous remercie, ma chère collègue. Je vous propose de voter. Donc on va directement au vote favorable. Chacun est d'accord. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et nous passons maintenant à la DGS 54. Je donne la parole à notre collègue Iris Berthelot. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler du dispositif Paris Jeunes Vacances, qui est renouvelé pour l'année 2024. Donc, c'est un dispositif qui permet aux jeunes parisiens de concrétiser leur projet de vacances à l'aide d'une aide financière matérialisée par la remise de chèques vacances. Donc, c'est les chèques ANCV que nous connaissons. Donc, ce sont des chèques d'une valeur de 200 euros systématiquement et qui permettent aux jeunes de partir en autonomie. Donc, ils doivent justifier d'une réservation pour des vacances. Et donc, ça leur permet de prendre des vacances, essentiellement d'ailleurs à l'étranger. Donc il y a cette année deux dispositifs différents. Il y a ce dispositif classique de chèque vacances qu'on a déjà voté les années précédentes. Et il y a maintenant 60 000 euros supplémentaires qui sont alloués à un nouveau dispositif. Ce sont des séjours de courte durée où tout est pris en charge pour les jeunes qui en bénéficient. Donc c'est en général plutôt sur le format week-end, donc une nuit maximum. Tout est pris en charge, c'est-à-dire y compris l'hébergement bien sûr, mais la restauration, etc. Donc, quel type de jeunes vont être concernés par ces dispositifs ? Donc, j'imagine que vous vous demandez ce que nous entendons par jeunes. Donc, j'ai regardé. C'est de 16 à 29 ans inclus. Donc, c'est assez large. Voilà, c'est... Non, moi, je suis pas concernée, mais voilà. Et donc, on a un dispositif donc, d'un montant total de 285 000 euros en 2024 pour le dispositif qui concerne les vacances en autonomie. Pour le 6e arrondissement, il y aurait 21 chèques. Et donc, ça correspond quand même à moins de 2% du montant global. C'est ce que je voulais porter à votre attention, avec l'idée qu'il va être difficile pour nous de relayer auprès des lycées un message global de communication à leur égard. Voilà, on va avoir du mal à leur diffuser largement l'information parce que n'ayant que 21 chèques vacances, il faut qu'on les distribue avec parcimonie. Il y a trois commissions environ qui sont organisées chaque année au sein de notre arrondissement, mais dans les autres arrondissements aussi. Sachant que si les arrondissements n'organisent pas ce type de commission qui choisit parmi les dossiers présentés quels jeunes vont être dotés de ces chèques. Dans ces cas-là, c'est la mairie centrale qui les redispatche en fin d'année.
Voilà ce que je voulais vous présenter, donc ce dispositif Paris Jeunes Vacances pour l'année 2024. Et donc je rappellerai peut-être quand même que 13% des jeunes ne partent jamais en vacances à l'échelle parisienne et que 30% des jeunes ne partent pas tous les ans. Donc évidemment, c'est des aides qui sont précieuses et qui sont nécessaires. Merci de votre attention. Merci ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? S'il n'y en a pas, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, la délibération est adoptée. Et maintenant, la dernière délibération, c'est la DSOL 1. Je donne la parole à Florence de Vara. Ah, pardon. Il y a Madame Bocan sur Quartier Libre, pardon. D'accord. Oui, monsieur le maire, merci, chers collègues. Donc, à travers ce dispositif, donc Quartier Libre, la ville de Paris souhaite renforcer l'engagement citoyen pour les jeunes toujours de 16 à 30 ans. Ce dispositif a été mis en œuvre après les attentats de 2015 et était jusqu'à présent géré par la ville. Et depuis 2015, 328 projets de création d'associations, avec parfois l'ajout d'un projet concret, ont vu le jour. On peut remarquer aussi que 53, je le signale, 5% des projets sont portés par des femmes. Les projets tournent autour du savoir-faire, de l'aide aux autres, de la valorisation du territoire, du partage entre les générations. À partir de 2024, donc, les commissions auront lieu dans les arrondissements et les jeunes viendront cette fois, à la différence de Paris Jeunes Vacances, les jeunes viendront soutenir et défendre leurs projets et ils pourront venir accompagner d'un par un. Alors, évidemment, comme ce sont des associations, on ne monte pas une association à un, donc ils viendront à deux ou trois et ils pourront défendre leurs projets. Et il faudra absolument qu'ils viennent défendre leurs projets pour pouvoir toucher cette somme. Alors, ils viendront, et donc on pourra être à ce moment-là plus attentif à la réalité et à l'adaptation des problèmes locaux. Cette aide permettra de couvrir les frais d'aide à la création de l'association pour un montant de 500 euros et un montant important complémentaire pourra couvrir des frais d'organisation d'événements ou d'actions pour un montant à nouveau de 500 ou 1000 euros en plus. Le sixième se voit allouer une enveloppe de 3 500 euros sur les 80 000 du dispositif. Alors, même si je vous demande de voter évidemment favorablement ce dispositif Quartier Libre 2024, on peut remarquer plusieurs choses. Un, que Quartier Libre existe depuis 2015 et que je ne pense pas que l'un de nous connaisse ce dispositif. Première chose. Deuxième chose, que 3 500 euros, c'est 7 projets si vous donnez 500 euros. Mais si vous donnez 1 500 euros parce qu'ils ont un projet concrétisé derrière, ben, ça fait plus que 2 associations qu'on pourra soutenir. Et troisième question, j'ai posé la question de savoir combien de projets avaient été jusqu'à maintenant donnés au 6e arrondissement et la ville n'a pas pu me répondre. Donc on ne sait pas si le 6e était déjà concerné et a déjà été... Non, je ne pense pas. Bah, normalement, tous les arrondissements étaient concernés depuis 2015, mais c'était traité en centrale à la mairie de Paris. Peut-être. Donc là, C'est un élément de la décentralisation, c'est oui, positif. Oui, c'est très bien, c'est très très bien. Donc il va falloir effectivement se renseigner. Donc, voilà. Ça dépend de la DGS ou pas ? Ça dépend de la DGS, bon, ça dépend d'Hélène Bidard. Oui, mais localement, c'est Monsieur Aron qui va suivre non, ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la... Directement le cabinet de Madame Bidard. Oui, exactement. D'accord. Vous lui poserez la question, elle est assez réactive général. Non, mais moi je lui ai posé la question et elle ne savait pas, mais je lui ai posé la question comme ça, mais ce serait intéressant de savoir. On posera la question. C'est juste pour qu'on sache, c'est tout. Mais je vous demande quand même de voter favorablement, évidemment, bien sûr. Cette subvention. Je vous remercie. Bien. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Et je donne donc la parole à Madame Devara pour la DSOL 1. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, alors, cette délibération
concerne 5 associations parisiennes pour des actions à destination des femmes en situation de grande précarité et d'exclusion. Je vais zoomer plus particulièrement sur le sixième. Donc, pour le sixième, il s'agit de l'association Accueil Louise et Rosalie, que nous connaissons bien à la mairie du sixième. Cette association a été créée en juillet 2019 et a ouvert un accueil de jour rue de Sèvres en novembre 2020 pour accueillir les femmes en situation de rue. Cette association fait un magnifique travail en accueillant une trentaine de femmes par jour et en proposant de nombreuses prestations réconfortantes comme la possibilité de prendre une douche, de cuisiner, de se reposer, ainsi que des services tels que coiffeur, esthéticienne, laverie, casier mis à disposition. Une trentaine de bénévoles et un travailleur social font vivre ce lieu. Je rappelle d'ailleurs que cette association a été renouvelée au titre du conseil de quartier Saint-Placide et nous en sommes ravis. Il est donc proposé de lui accorder une subvention de fonctionnement de 20 000 euros pour 2024. Il s'agit d'une reconduction et donc je vous remercie de bien vouloir voter favorablement cette subvention. Alors, je précise que l'ensemble des subventions de fonctionnement pour les autres associations, enfin les 5 associations sur tout Paris au total, ça représente 807 058 euros. Et il y a aussi subvention d'investissement pour un montant de 4 710 euros. Je vous remercie donc de voter favorablement, chers collègues. Merci. Collègues, et je voulais effectivement rappeler que cette association a été créée il y a quelques années, qu'elle est très originale. Ce sont des bénévoles qui se sont mis ensemble pour effectivement aider les femmes à la rue. Donc c'est spécifique. Donc c'est quand même tout à fait important, puisque c'est vrai que la cohabitation quelquefois est difficile dans ce type de, pour des gens qui sont dans le dénuement. Donc c'est spécifique et ça a été mis en place grâce à la congrégation des Lazaristes, puisque c'est au 95 rue de Sèvres. C'est donc grâce à la congrégation des Lazaristes qui ont accepté de mettre un local à la disposition par convention à cette association. Donc il fallait le rappeler, c'est toujours la tradition charitable des congrégations catholiques situées et implantées sur le territoire du 6e arrondissement, bien avant que nous soyons élus dans le 6e arrondissement. Je parle d'ailleurs pour moi comme pour vous, évidemment. Donc je vous propose de voter favorablement, si vous êtes d'accord. On est d'accord. Pour. Merci, mes chers collègues. Alors, nous avons sur table un document qui a été réalisé par la Direction générale des services de la mairie du 6e, qui, je crois, exhaustivement vous donne l'utilisation des salles de la mairie du 6e arrondissement, occupation temporaire des salles de la mairie, tout au long de l'année 2023. Et puis, au titre des affaires diverses, si vous le permettez, je souhaitais vous dire deux mots sur quelques opérations que nous avons connues au cours des dernières semaines. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une transmission heureuse sur le théâtre de Lucernaire. Vous savez que pendant 20 ans, la famille Prien qui dirige les éditions de l'Armatan, bien connues, qui sont implantées dans le 5e arrondissement, et qui sont très actives pour réaliser aussi bien des documents universitaires que des livres à compte d'auteur, qui a également, je l'ai appris, je l'ai découvert lors de du Salon africain, qui est également très active sur le continent africain, avait bien voulu reprendre. C'est Denis Prien, le papa, puis Xavier Prien, le fils, qui ont consacré de l'argent, beaucoup d'argent, et un investissement personnel important au Lucernaire, qu'ils ont repris à Monsieur le Guillochet à l'époque, à un moment d'ailleurs où, tel un capitaine de navire, le Guillochet était tenté de s'aborder son théâtre, ce qui était bien sûr quelquefois ne pouvant assurer sa reprise dans le cadre de sa famille. Il y a eu un dénouement heureux grâce à l'arrivée des Priens et le Lucernaire, je crois, a renforcé son aura, son action au cours des 20 dernières années.
Et puis les Priens, vous savez que l'économie du théâtre est une économie complexe qui n'a pas diminué, et les problèmes n'ont pas diminué avec la crise sanitaire que nous avons connue. Donc ils étaient à la recherche depuis maintenant 1 ou 2 ans, soit d'un partenaire minoritaire qui serait associé avec eux pour réinjecter tout simplement de l'argent dans l'ensemble, dans l'écosystème du Lucernaire, puisque vous savez que le Lucernaire, ça recouvre 2 salles de cinéma, 3 salles de théâtre, de petites jauges, et puis également un restaurant, une petite librairie. Bref, c'est un ensemble tout à fait original. Et beaucoup de personnes se sont intéressées à ça. Et parmi les personnes qui se sont intéressées, il y avait des personnes qui avaient des objectifs plus ou moins nobles. C'était avant tout, pour beaucoup d'entre eux, les mètres carrés du Lucernaire qui les intéressaient. Heureusement, la loi de 51, qui est une loi qui protège les scènes de théâtre, une loi qu'il faudra, je l'espère, ne pas toucher, en tout cas moins la toucher que la Constitution française, qui a été beaucoup tripotée au cours des dernières années. En tout cas, la loi de 51 a montré encore son efficacité, et cela a permis une transition heureuse avec une autre famille, dont j'ai oublié le nom, mais qui est une famille composée d'un papa qui a un peu d'argent et d'un fils qui est lui-même acteur de théâtre, metteur en scène, et qui a, au cours des dernières années, joué au Lucernaire, compris comment fonctionnait le Lucernaire, et qui sera donc le futur directeur, qui sera le propriétaire du Lucernaire, mais qui va conserver le directeur actuel. Donc c'est très important, le directeur actuel qui a donné toute satisfaction va rester directeur, et donc fonctionner avec un propriétaire qui lui-même comprend l'écosystème du théâtre et qui devrait permettre au Lucernaire de voguer à nouveau pendant un certain temps, je l'espère le plus longtemps possible, sur les flots chahutés du théâtre à Paris. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est un peu, si vous voulez, la même chose que lorsque la famille Tesson a repris le théâtre de poche il y a quelques années, permettant à Bierry de se retirer et de voir son théâtre demeurer. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle, et je voulais vous la faire partager. Et dans cette affaire, d'ailleurs, les acteurs, la ville de Paris va bientôt ils sont au courant, bien évidemment. Michel Gomez, d'ailleurs, qui suivait l'affaire du Lucernaire, puisqu'il y avait des salles de cinéma, donc la mission cinéma a suivi cette affaire, recevra bientôt les repreneurs, et je crois que c'est une très bonne chose. Ça devrait être une transition sans heurts, avec peut-être quelques travaux cet été, sans doute pendant la période olympique, s'ils arrivent à trouver des entreprises qui acceptent de travailler, parce qu'il y a quelques petits travaux de rafraîchissement à faire. Ça, c'était la première bonne nouvelle. Et la seconde, je voulais aussi vous le dire, parce que je vous le devais, à l'ensemble des élus présents et également d'autres élus qui nous ont quittés et ont travaillé dans l'ancienne mandature, c'est le 69 rue de Sèvres. Le 69 rue de Sèvres a trouvé son épilogue. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le 69 rue de Sèvres, c'est un tout petit immeuble de 250 mètres carrés de surface développée qui est situé au 69 rue de Sèvres, c'est-à-dire entre la rue Saint-Placide et la rue de l'Abbé Grégoire, face à la grande épicerie du Bon Marché, et qui était inoccupé depuis 20 ans. Pourquoi ? Parce que une propriétaire exilée fiscale en Belgique pendant 25 ans a refusé toute transaction, toute modification, a attaqué en justice absolument toutes les personnes qui voulaient s'approcher de près ou de loin de son immeuble, l'a laissé dans le dénuement le plus, l'a laissé se dégrader. On a tout tenté. On a tenté des procédures de mise en demeure, des obligations de ravaler, des obligations d'abandon, et on n'a jamais réussi à le faire évoluer. Néanmoins, l'action conjuguée de la mairie du 6e et de la mairie de Paris, in fine, profitant du, quelque chose malheur est bon, du décès de cette personne et de l'apparition des 3 filles, dont une qui était chargée en quelque sorte par ses 2 sœurs de mener les négociations, on a réussi à faire trouver un accord
Cet accord a été trouvé in fine, grâce d'ailleurs à l'intervention des notaires, de façon assez étonnante, avec la congrégation attenante. Car vous aviez une congrégation attenante au 67 rue de Sèvres, qui manifestement était aussi lassée que nous de voir l'immeuble en déshérence, et surtout cet immeuble contigu à leur propriété commençait à créer des désordres dans leurs propres immeubles. Donc on a réussi à trouver un accord, enfin plutôt, il y a eu un accord de trouver entre les filles de madame, je crois que c'était madame Lécuru, et la congrégation, la ville de Paris, réduisant sa demande de logement social à un seul. Donc il y aura un logement social qui sera créé. Pourquoi elle a réduit à un seul? Et je l'en remercie, parce que les négociations étaient tellement compliquées et les exigences financières des filles étant tellement élevées que personne, tous les, là encore, beaucoup de promoteurs ont tourné autour, elles en ont y conduit beaucoup, et finalement, c'est le voisin, en quelque sorte, qui a réussi à signer. La signature s'étant déroulée dans les derniers jours du mois de décembre, et j'ai d'ailleurs, m'informant de la chose, j'ai appelé le notaire quasiment au moment où l'encre était en train de sécher sur les documents. Donc voilà une très bonne nouvelle et je voulais vous la faire partager en vous remerciant tous de votre collaboration dans cette affaire. Alors ne me demandez pas quand l'affichage sauvage va cesser, sans doute bientôt, quand le permis de construire ou la déclaration de travaux va être déposée, je l'espère, le plus rapidement possible. Mais enfin, on est au bout du bout, ça a été signé, ça a changé de propriétaire, et on peut penser que la chose sera réalisée. Alors, comme je l'ai dit avec un peu d'humour à Jacques Baudrier, qui est l'adjoint au maire chargé du logement, bien évidemment, on pourra sans doute convier un certain nombre de personnes à cette inauguration, peut-être même un député de Paris qui s'appelle Monsieur... Aidez-moi, le député du 10e arrondissement. Monsieur Julien Bayou, qui est apparu dans la sphère médiatique en squattant cet immeuble en 2008-2009, à la tête d'un collectif Jeudi Noir, ce qui lui avait valu d'être chassé par la force publique, actionné par madame Lécuru, qui l'avait ensuite traîné au tribunal et qui avait infligé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour occupation de cet immeuble. Vous voyez, en tout cas, que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il y aura vraiment une inauguration. On devrait constater les choses. Voilà, voilà ce que je vais vous dire. Et puis, sur le musée Hébert, vous avez suivi, ça se débloque grâce à la Fondation de France. Bon, c'est pas terminé. Il faut maintenant que le ministère des Finances donne une évaluation du bâtiment au ministère de la Culture, que le ministère de la Culture mette en vente le bâtiment, qu'il soit acheté par quelqu'un, étant entendu, bien évidemment, que là, comme pour le précédent, c'est totalement, les façades sont totalement à l'inventaire supplémentaire, on peut pas surélever. Après, il faudra qu'elle trouve quelqu'un qui achète ce bâtiment, qui est quand même très ravagé à l'intérieur. Mais bon, on peut espérer que là encore, la localisation permettra peut-être à certains ou certaines, une fondation peut-être, vous avez des fondations qui cherchent des lieux pour créer des espaces culturels, de trouver quelque chose. Mais là, toutes les idées seront les bienvenues, évidemment. Pour le moment, le lieu n'est pas visitable, mais il le sera sans doute lorsqu'il sera mis sur le marché. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire, en vous cédant bien évidemment la parole. Si vous souhaitez intervenir, je donne la parole à Antoinette Kiss. J'ai juste une petite question concernant l'occupation temporaire des salles de la mairie par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah. Je vois que c'est une manifestation payante, mais c'est quand même une manifestation religieuse. Donc j'ai juste un petit point d'interrogation personnel sur ce point. Merci beaucoup. Raison, c'est une bonne question et je donne la parole au professeur Paslec, au maire adjoint Olivier Paslec qui va vous répondre. Oui, vous n'êtes pas sans ignorer que, ou sans savoir, pardon, que les témoins de Jéhovah ont été considéré par le Conseil d'État comme un culte et non pas comme une secte. Donc si c'est un culte, nous ne pouvons en aucun cas refuser de leur mettre à leur disposition une salle, bien sûr payante, par location, sinon ce serait une subvention. Donc refuser les témoins de Jéhovah, cela nous aurait conduit à nous mettre nous-mêmes dans l'illégalité. Alors je vous rassure, alors vous savez qu'ils sont présents dans le 6e arrondissement depuis plusieurs décennies. Ils ont racheté le cinéma des Grands Augustins.
Nous n'avons aucun lien formel, informel, etc., mais nous respectons le droit. Et effectivement, ils nous ont demandé, il m'est arrivé de refuser dans les dernières années, mais nous nous sommes aperçus que nous ne pouvions pas, si vous voulez, refuser systématiquement. Sans ça, nous nous mettions dans l'illégalité. Mais il faut rester très attentif, car je vous rappelle également pour les plus anciens d'entre vous, qu'il y a quelques années, je crois que c'était les Témoins de Jéhovah qui avaient fait de l'entrisme à André Malraux sous couvert d'une association. Et on s'est aperçu, effectivement, que les Témoins de Jéhovah avaient infiltré une association. Et à ce moment-là, j'avais demandé au préfet de police de procéder à l'expulsion de l'association d'André Malraux. Donc on reste très très vigilant, c'est pour ça on reste très très vigilant sur cette affaire, mais là, en tant que tel, on ne pouvait pas refuser. Évidemment, s'ils reviennent, s'il est hors de question de leur donner des salles en permanence, évidemment, ce serait du prosélytisme, et on reste bien sûr très attentif à toute demande de cette nature. Là, ils sont revenus à la charge. Alors, je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Je n'ai aucune sympathie pour les Témoins de Jéhovah, que je considère personnellement comme une secte, je le dis publiquement. Mais tel n'est pas l'avis du Conseil d'État. Et un arrêt du Conseil d'État qui s'appelle Témoins de Jéhovah Lyon-Lafayette est formel. Vous ne pouvez pas refuser, sauf que lorsqu'ils demandent une date précise et que les salles ne sont pas libres, alors là, c'est pour, bien sûr, le service public et la nécessité du service qui nous permet de refuser. D'autre part, ils souhaitaient bien sûr avoir une salle en mairie, et ça, nous avons considéré que ce n'était pas possible. À Malraux, en revanche, nous ne pouvions pas les en empêcher. Mais là, ils ont demandé avec une date précise, et on leur a dit que ce n'était pas possible. Oui, merci Monsieur le maire. Comme on a commencé avec les conseils de quartier, je voudrais continuer et signaler surtout le travail très important qui a été fait par le conseil de quartier Saint-Placide sur le recyclage des mégots. Et d'ailleurs, je me réjouis que ce travail qui a donné lieu à un rapport ait été mis en ligne sur, et il est consultable avec l'ensemble des procès-verbaux des conseils de quartier. Donc j'incite les gens à aller le lire parce que c'est un document qui est assez volumineux, qui contient quelques préconisations à mettre en œuvre et qui surtout va tout à fait dans le sens du vœu que nous avions voté à l'unanimité le 17 mai 2022 pour le recyclage des mégots. Donc comme nous serons au prochain conseil d'arrondissement 2 ans après le vœu, je pense que ça serait peut-être bien de prévoir de faire un point d'étape pour voir où nous en sommes sur le recyclage des mégots. Absolument, et vous constaterez d'ailleurs que c'est un travail qui est suivi par mon cabinet avec beaucoup d'attention et qui le mérite, car malheureusement, l'association Travail au Clair, avec lequel nous sommes restés en relation et qui nous sommes contractons avec elle, a du mal à nous maintenir la personne qui assure le ramassage des mégots, donc il faut qu'on soit très attentif. D'autre part, malheureusement, on a racheté un certain nombre de cendriers et certains ont été volés à nouveau, certains sont décellés. Mais on est très attentif à tout ça, on essaie de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Bon, on en a acheté un certain nombre, c'est un investissement. Après, je pense qu'il faut continuer comme ça a été fait par certains. Le conseil de quartier Rennes a acheté aussi des gros cendriers. Toutes les initiatives sont bonnes. Essayons de continuer à prospérer dans ce domaine. Mais vous avez raison, le rapport du conseil de quartier Saint-Placide est tout à fait remarquable. Mes chers collègues, si vous n'avez plus d'affaires à évoquer, je vous propose de nous quitter et de vous souhaiter la meilleure soirée possible. Merci, monsieur.